Bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de courrier. Enfin, quand je dis petite, il y a plusieurs courriers. Donc, celle-ci me vient de Françoise Renaud. Alors, parce que je suis obligée de dire le nom, parce que sinon je vais. Donc, elle aura le numéro 19 que je vais mettre tout de suite sur son enveloppe. Quand je vous ai dit que j'ai plusieurs Françoises. Si je ne mets pas les noms de famille, je suis désolée, mais voilà. Hop, avec deux jolis timbres. Et derrière, elle m'a mis des tamponnages de petits nœuds et le chiffre 50. Donc, on va ouvrir. Alors, moi, j'ai ouvert les enveloppes sur les côtés. Alors, voilà, elle a protégé sa carte. Ouh! C'est joli. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que. Oh! C'est très très beau. Oh, c'est très très beau. Ah, j'aime beaucoup beaucoup. Alors, voilà sa carte. Les petits oiseaux, libellules, une superposition, des collages, des tamponnages. Oh, c'est joli ces fleurs là que tu as mis là. Oh, c'est vraiment. Alors derrière, j'ai mon petit mot. Alors regardez comment c'est mis le mot. Oh, sur un beau papier fin comme ça, j'adore ces papiers. Et là, m'a mis deux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau l'intérieur de sa carte. Ouh, merci Françoise. Alors je vais lire ton petit mot. Et je reviens parce qu'elle m'en a mis. Alors me revoilà avant de regarder ces ATC, parce que même s'il y a marqué FR, il peut y avoir plusieurs. Alors moi je vais mettre le nom parce qu'après moi je ne me rappelle pas, je regarde les cartes et il y a marqué Françoise, Claudine, Karine. Oui, mais lesquelles? Alors là maintenant je vais le faire parce qu'après je regarde. Alors je vous remontre l'intérieur de sa carte. Alors j'adore l'ATC. Oh, c'est joli, hein, tes découpages, tes fleurs, je ne sais pas où tu as trouvé tout ça. Alors, ATC, Noce d'or, France Renaud. Elle a été faite le 16-3. C'est pour les 50 ans de mariage. Ouais, je ne veux pas vous marquer, non, bah, il n'y a rien d'indiscret. Hein. On voit son nom sous les commentaires. Et là, elle m'a fait, alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Un petit mot comme ça. Oh, j'aime beaucoup cette idée de petit. J'aime bien les petits embellissements comme ça, avec pour mettre un petit mot sur un paquet ou quoi, qu'un joli papier. Ah, j'adore, vraiment j'adore l'idée. Et la présentation de ta carte, c'est génial. Alors, franchement, France, super, super. Alors, elle a mis deux. Même là, la façon dont elle a fait, on pourrait presque mettre quelque chose là, ici. Deux triangles. J'adore. Alors, je remets ça dans ton enveloppe. Bon, moi, maintenant, elle est protégée. Hein, j'ai plus besoin de mettre ça. Alors, la deuxième, on va de nouveau cacher encore. Voilà, une enveloppe comme ceci avec des roses comme là. Et derrière, alors, c'est Nathalie L. Alors, je crois que c'est la chaîne de Nat parce qu'elle m'a demandé. Alors. Comme j'en suis pas sûr, donc le numéro 20, je vais le mettre tout de suite sur l'enveloppe. Je crois que c'est Thalie sa chaîne. Alors j'en ai des adresses à mettre hein, parce que c'est sur des nouvelles. Et là, sur son timbre, il y a marqué félicitations. Et à l'arrière, je cache son adresse. Elle a mis des petits cœurs comme ça, avec des fleurs à l'intérieur des cœurs. Alors, on va regarder sa carte. Ah, il y a plusieurs choses. Oh, oh là là, oh, qu'est-ce que j'aime. Oh, alors, si c'est celle à qui je pense, en ce moment, elle fait une vidéo pour regarder les. Oh, c'est super joli, mais franchement, bon, on va d'abord regarder la carte. Waouh, waouh, waouh. Alors, elle fait des trucs super. Je vous conseille d'aller la voir. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oh! Et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a plein de petits cœurs comme ça. Oh, c'est vraiment.
Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, c'est beau tes fleurs! Je sais pas, c'est toi qui les as faites, les fleurs, ou tu les as achetées comme ça? J'adore, de chez j'adore. Alors, la base, elle est blanche sur un papier craft. Je vous la montre de près. Elle a fait plein de petits tamponnages qu'on voit à peine comme ça. J'aime beaucoup, très discret comme ça. Elle a mis de la toile de lin. Ah oui, c'est du lin, ça, c'est pas de la toile de jute. Elle a effrangé les bords. Oh, j'aime bien le tour comme ça, couleur or. Les 50. Couleur or, les fleurs, oh, le beau bouquet qu'elle a mis. Oh, c'est franchement, oh, toutes vous m'épatez. Hein. Elle a mis trois demi-perles couleur or et là, un petit cœur. Oh, tout est bien marqué, bonheur. Oh, j'adore, j'adore. Alors, je vais remettre son nom. Alors, pareil, hein, je reviens. Voilà, je préfère mettre le nom entier de la personne derrière parce que quand je vais les regarder, ben, je vais pas les laisser dans l'enveloppe. Hein. Donc, je veux absolument savoir quelle Nathalie c'est, quelle. Oh, j'adore. Franchement, c'est très très beau. Vous avez toutes des idées. À l'intérieur, elle a remis un cœur comme ça. Oh, puis en plus, qu'est-ce que tu écris bien? Oh, merci beaucoup, Nathalie. Merci, merci beaucoup. Et là, alors regardez le magnifique marque-page que j'ai, couture. Bon, ça, je vais le laisser protéger parce que. Alors ici, elle a mis un petit deux anneaux, une petite ficelle. C'est de toute beauté. Regardez de près le travail. Oh, c'est beau, les fleurs. Dis-moi où tu as acheté ces fleurs, hein. Parce que le cœur, il est fait. Tout est cousu, un marque-page entièrement cousu. Avec le 50. Ah non, là aussi, je vais le mettre. Ah, j'adore. Alors, moi qui ne me passe pas de lecture. Alors, en plus, je fais une bêtise, évidemment. Hein. Si je ne mets pas le bon nom derrière. Parce que je lis tous les jours et je change de marque-page. Parce que j'en ai tellement. Je veux me souvenir de qui me l'a fait. Je n'ai pas fait ça au début. Et ça m'embête vraiment parce que je dis, oh, ce marque-page, il est magnifique, mais qui me l'a fait? Alors n'oubliez pas de marquer vos noms à l'arrière là. Oh, c'est magnifique, Nathalie. Alors, il est tellement beau, je vais le laisser dans sa protection pour l'instant. Voilà, c'est de toute beauté, tout ce que vous m'envoyez là, France, voilà, tout, c'est trop beau. Je protège et puis vos mots sont gentils. Et puis Nathalie, alors, ton écriture, moi. Franchement, alors j'ai bien mis le numéro 20. Alors ensuite, j'ai reçu un petit paquet comme ça. Alors ça me touche particulièrement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est Camille Scrap. Et Camille, elle a énormément d'abonnés. Et pourquoi je vous dis ça, que ça me touche énormément? Parce que souvent, celles qui ont énormément d'abonnés, moi je vois, j'ai participé à des concours, je mets des commentaires à des grandes chaînes et tout. Et souvent, on n'a aucune réponse ou voilà. Que Camille, qui a un boulot qui est prenant, qui nous fait des vidéos, super sympa, c'est une femme sympa, j'adore. Elle et son mari, c'est des gens simples, c'est tout ce que j'aime. Voilà la simplicité. Et qu'elle ait pensé à me faire un envoi pour mes 50 ans de mariage, ça me touche d'autant plus. Parce que je vous dis souvent, les grandes chaînes, bah, une fois qu'elles ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, on les voit plus dans nos commentaires, on les voit, voilà. Donc, je suis très touchée. Donc, j'ai ouvert le carton et on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le côté? Alors, je pense que ça, c'est la carte. Chute pour ta déco. Ah, une carte. Oh là là, non, c'est gentil. Et là, j'ai une boîte. Oh, mais elle m'a mis plein de choses, Camille. Oh, c'est super gentil. Oh, j'adore. Oh. Tout ce qu'elle m'a mis, elle m'a mis de la dentelle, elle m'a mis. Ouh, j'aime bien ça, là, ça c'est sympa. Bon, le reste. Hein. Alors, on va commencer par la carte. 50 ans. Alors,
Elle m'a fait ça avec la fleur. Alors, vous allez rigoler, mais hier on est allé dans la ville à côté de chez moi faire des courses. Et à côté, bah, il y a Action. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est la fleur, comme ceci, que j'ai prise. Voilà. Le tamponnage bois. Alors, je pense que c'est cette fleur-là. Oh, puis elle m'a mis sur du orange, ma couleur. Elle a fait. Oh, puis alors, elle a peint avec les. Je pense que c'est. Il faudrait que je regarde. Elle va certainement le mettre en vidéo. Oh, ils sont beaux, tes chiffres, comme ça, là. Faire de chaque instant un moment extraordinaire. Alors, merci, Camille. Oh, ce que c'est gentil. Alors, elle a une bonne idée parce qu'elle a inversé. Alors, c'est une peinture irisée qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'est celle de chez Action, là. Alors, orange, elle a mis le cœur rouge. Et là, rouge, elle a mis le cœur orange. Mais c'est bien, elle a fait les dégradés de couleurs. C'est super, super, super. Et dans mes couleurs. Franchement, c'est trop gentil, les filles. Je te remercie, Camille, parce que je sais que. Alors, elle m'a mis de la dentelle. Bon, ça, moi, je m'en sers pour mes cartes. Donc, c'est super gentil. Ici, elle m'a mis, alors. Oh, ce que c'est bien, ça! Je connaissais pas, moi, j'en fais pas des. Trop des. Comment on appelle ça, là? Vous savez, qu'on met dans des. Alors, moi, j'en avais pas d'elle. Alors, elle aime le vert, ah, comme moi. Et le turquoise, ah, moi aussi j'aime beaucoup le turquoise. Faire plaisir et partager. Oh, je le sais que tu partages. Donc sa chaîne, c'est Abricot Camille. Voilà. Et je les suis l'été avec son mari quand ils vont. Alors eux, ils sont vraiment nature. Franchement. Et en plus, ils vont souvent en Bretagne. Donc tu seras la bienvenue si tu passes par là avec ton mari. Et. En Espagne, donc évidemment, deux endroits que j'aime particulièrement. Ici, elle m'a mis des trucs joyeuses Pâques, des découpes joyeuses Pâques. Là, je regarderai après. Hein, j'attends, je patiente. Donc, elle m'a mis plein de découpes sur Pâques. Oh, c'est génial, elle m'a mis plein de lapins, plein de trucs comme ça, une fleur. Et là, elle m'a mis des. Oh, vraiment, elle est gentille. Hein. Un joli fond. Ah, j'adore ce fond là. C'est joli ce papier là. Et des tamponnages. Alors, je vais pas tous les défaire parce qu'il y a des petits lapinous comme ça. Regardez ça. Avec sa petite carotte. Alors, sur du papier aquarelle. Donc, à mon tour d'utiliser les aquarelles ou les feutres pour les dessiner. Alors ça, c'est un petit lapin avec sa carotte. Celui-là, comme ceci, on a du mal à voir. Anne-Marie met du papier en dessous. Alors, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle fait plein de tutos, plein de trucs simples, super gentil. C'est une femme adorable. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le fond, je le garde. Elle m'a fait une ATC. Alors moi, j'ai aucun tamponnage comme ça. Juste moi, Miss Scrap, la 9 sur 9. Voilà, au moins j'aurai une ATC de toi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans, dans ce joli petit paquet violet? Oh, à la pensée, elle est comme moi, elle est gourmande, elle m'a mis du chocolat. C'est trop gentil. Franchement, vous êtes adorables, les filles, mais franchement adorables. Alors, du coup, j'ai pas mis son numéro à Camille. Ce qu'il y a, c'est que je vais remettre que ta carte. Je vais pas mettre mon paquet dans les cartons parce que là. Alors, Camille, tu auras le numéro 21. Camille Scrap. J'ai pas vu si sur ta carte tu avais mis le. Non. Mais je crois qu'à l'intérieur, toi, c'est marqué. Je regarde parce que je rajoute Scrap derrière. Des fois que je tombe sur une autre Camille. Voilà, parce que de temps en temps, bon, on regarde, on ouvre son carton, on se dit, tiens,
On regarde les belles cartes qu'on a reçues. Franchement, pour moi, c'est que du bonheur, hein, tous ces échanges. J'adore, j'adore. Alors là, qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Elle m'a mis « chute pour ta déco ». Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les chutes, mais j'ai fait un album avec ça. Donc, elle m'a mis toutes les chutes de cet album. Ben, je l'ai envoyé, d'ailleurs, cet album. Voilà, mais là, il y a plein de chutes. Moi, je peux en servir pour faire pour mes petits-enfants quand j'écris. Voilà, des arcs-en-ciel, des lettres comme ça à découper, des montgolfières. Là, on les voit mieux parce qu'elles sont plus grandes. Voilà, j'avais bien aimé ce papier. J'avais fait un album avec et... bien aimé. Alors, maintenant, on va ouvrir la boîte. Voilà la jolie boîte. Alors, avec des papiers dans les tons verts, de la dentelle, bah, comme celle qu'elle m'a envoyée. Voilà, ouais, c'est celle-là. Des jolies fleurs dans les tons verts, des perles. Ah, j'en ai jamais eu des vertes comme ça. Elles sont super, des pistils. Enfin, elle m'a fait un joli bouquet. Allez, on ouvre. Surprise! Voilà, donc elle m'a fait une boîte comme ceci. Et à l'intérieur, une jolie fleur orange. Avec le papier. Voilà, les restes. Et des cœurs. C'est trop gentil. Franchement, Camille, c'est super gentil parce que je sais le boulot que tu as. Les infirmières, elles ne se croisent pas les doigts, hein, même si ce n'est pas les seules à faire un travail difficile. Mais franchement, merci, merci de tout cœur. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Parce que je suis là... J'ai mis Françoise, Nathalie, Camille. Et là, alors là, je l'ai reçu dans ma boîte, là. C'est Brigitte. Les ateliers de Brigitte. Alors voilà. Elle a mis nos mécanisables. Merci. Voilà. Alors, Camille, je vais prendre une enveloppe parce que pour l'instant, je vais remettre dans le carton. Voilà. Et on va ouvrir... l'enveloppe de Brigitte. Camille, je vais mettre que sa carte parce que sinon, mon carton... Donc, je t'ai donné numéro 21. Allez. Brigitte. Oh, bah, Brigitte aussi, elle a gonflé son enveloppe. Oh. Ah, moi, j'aime bien. Hein. C'est chaque chose est différente. C'est ce que j'aime. Vraie découverte. Alors, c'est bien, elle a mis bien dans l'atelier de Brigitte. Alors, voilà sa jolie carte. Ah, j'adore, j'adore. Ouais, toutes les cartes sont... Voilà, et elle a bien écrit, c'est très joli son écriture. Félicitations. Sur un papier moiré avec des roses. Oh, c'est très beau. Ici, une découpe Love. Voilà, les 50 y sont. Ça fait de la dentelle. Oh, c'est trop joli, ça. Le... Ah, j'adore. Alors, on a le petit éléphant... comme ça, avec un motif floral à l'intérieur. Et il a une petite... comme si c'était un ballon cœur, là, dans lequel il y a marqué 50, et elle a mis un petit nevers. Elle a fait tant mes couleurs. Ah, j'adore. Alors, Brigitte, je vais lire ton mot. C'est pour ça que tu as mis un éléphant, parce qu'on est en voie de disparition. On s'en fiche, t'as fait avec ce que t'avais. Moi aussi, en ce moment, je fais avec ce que j'ai. Parce que je veux rien acheter. Hier, j'ai vu la fleur en bois. Voilà, j'ai pris ça et des produits pour la vaisselle. Et voilà. Alors, vous voyez, rien à voir avec le scrap. De toute façon, je trouve que leur papier, en ce moment, action, enfin, moi, personnellement, dans le mien, tout est moche. Il y avait des trucs qui étaient moches, qui ne me plaisaient pas du tout. Ensuite, elle m'a mis... Ah, ça, c'est bien aussi, parce que j'ai un peu la flemme, des fois, de faire les nœuds, comme ça. Alors, j'en ai des jolis que Cathy Chou m'avait fait. Ils sont magnifiques, ces nœuds. Alors, franchement, j'avais adoré ces nœuds. Alors, je les utilise avec parcimonie, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et ceux-là, bah, sont superbes. Voilà. Et ici, elle m'a mis plein de découpes et plein de... Alors, on va regarder ce qu'il y a. Oh, elle m'a mis des fleurs, elle m'a mis des... Oh, c'est beau, ça. Elle m'a mis un bijou comme ça.
Oh, c'est magnifique ça. À chaque fois, je me dis, faut que je... Oh là là, j'adore avec le mini-livre comme ça. Oh, c'est beau, hein. Alors, faut aller la voir aussi, elle, dans l'atelier de Brigitte, parce que c'est une fille super sympa, voilà, qui sourit tout le temps, naturelle. Bon. De toute façon, il y a plein de gens gentils, hein. Si on est abonné à des chaînes, c'est qu'on aime les personnes, voilà. Donc, elles font des choses qui vous intéressent. Alors, une autre petite comme ça, hein. Regardez comme c'est mignon. Oh, mais vraiment, que d'idées, tu as. Alors, des embellissements. Oh, ils sont beaux, tes embellissements. Oh, ça, c'est bien pour les junkers. Regardez comme c'est beau. Oh, puis alors, les mini-livres comme ça. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un autre. Oh là là, mais franchement, tu m'as gâté, Brigitte. Oh, c'est beau, ce petit ourson, comme ça. Oh, dis donc, mais quelle idée tu as. Regardez comme c'est beau, les embellissements. Oh, c'est une bonne idée. En fait, c'est des ronds qu'elle a mis... superposer les uns sur les autres comme ça, des pistils, un petit nœud, une petite... Oh, mais quelle idée tu as! Ici avec l'étoile, une étoile, un petit nœud vert, de la dentelle, une petite fleur en forme de clochette. Oh! Un autre embellissement comme ça, bah dis donc, ça va me servir ça. Hein. Oh là, celui-là aussi, il est beau. Oh, ce que c'est joli! Oh, c'est vraiment joli, joli. Alors là, c'est une jolie robe comme ça, thème couture. Le fond de papier comme ça, une petite pochette. Toujours la petite coccinelle, la fleur, les pistils, le petit ruban, le petit nœud là. Dans les tons vert et orange. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est joli. Alors j'aime bien parce qu'on dirait du carrelage, elle a tout verni. Oh, c'est très très beau, hein. Je vais te piquer plein d'idées. Des petites fleurs comme ça, dentelle, un petit nœud. Eh ben, on en a des idées à reprendre pour faire des petits embellissements comme ça. C'est trop beau, hein. Ça, c'est sûr que je vais les utiliser vintage. Un autre embellissement comme ça. Oh, les fleurs sont belles. Tout entouré de dentelle, de et tout dans mes couleurs. C'est super. Mais franchement, Brigitte, moi, je remets ça comme ça. Petit nœud. Je vais mettre ton enveloppe sur ton enveloppe. Camille, il faut que je sorte une enveloppe. Je dois avoir des vieilles enveloppes et que je mette son numéro dessus. Alors, Brigitte, ça sera le 22. 22. Alors moi je vais mettre tout de suite dans l'atelier de Brigitte. Comme ça. Alors j'ai un Instagram sur lequel en ce moment je ne mets pas les cartes que tout le monde m'a fait. Voilà. Parce que je veux que tout le monde m'a fait. Je vais attendre la fin. Et je prendrai en photo chaque carte, chaque réception de carte. Et là, je ferai comme un petit mini-film de toutes les cartes que j'ai reçues. Parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et si je les mets une par une, non. Donc, voilà. Donc, j'en suis à 22 participations. Mais franchement, c'est trop gentil. Je suis vraiment émue. C'est trop beau. Je suis contente. Ça me fait super plaisir. Alors, quand je vous dis 50 ans de mariage, en fait, une petite anecdote pour finir. En fait, avec mon mari, alors on va commencer par le début. C'est ma sœur qui a connu son mari. Donc, on est les deux sœurs mariées avec les deux frères. Alors, ma sœur a connu son mari, elle avait 14 ans. Elle les avait pas encore, d'ailleurs. Et voilà. Et lui, il avait le même âge qu'elle. Donc,
Ils se sont connus, je crois que c'est au mois d'avril, et au mois de juin, je connaissais son frère au début. On se regardait un peu comme ça, et puis du coup, voilà, on est sortis ensemble, comme disent les jeunes. Voilà, donc en fait, si on compte la totalité, ça fait 54 ans qu'on est ensemble, donc parce qu'on s'est connus à 16 ans. Voilà. Et mon mari en avait pratiquement 18. Donc à l'époque, c'était détournement de mineurs. Et même quand on s'est mariés, à l'époque, nous, il fallait l'autorisation des parents. Quand je me suis mariée, ben, on n'était pas majeur à 18 ans, on était majeur à 21 ans. Donc il fallait l'autorisation de mes parents. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'avec ma sœur et mon beau-frère, on est ben, comme un peu liés comme des jumeaux. Parce que le fait qu'on soit frère, enfin sœur, et les frères mariés ensemble, en fait, on a la même belle-mère, la même belle famille. Donc, dans les fêtes, on se retrouve plus souvent ensemble. Ça fait que c'est pas que je suis moins lié avec les autres, mais vu comme ça, on se retrouvait plus souvent. Voilà. Et les deux frères s'entendant très très bien, donc on se voit voilà plus souvent qu'avec les autres. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est la vie, peut-être que ma sœur aurait épousé, ou moi j'aurais épousé quelqu'un d'autre, voilà, c'est pas qu'on se perdrait de vue, mais on a moins de liens que là. On est liés un peu comme des jumeaux, quoi. Ça fait un peu ça, quoi. Voilà. Bon, voilà, la petite anecdote est terminée. En tout cas, je vous remercie toutes les quatre, mais de tout mon cœur. C'est vraiment magnifique parce que, ça paraît pas, mais participer, faut faire les cartes, faut faire l'envoi, faut faire le mot, faut. Voilà, et puis comme je dis, quand il y a des chaînes, des gens qui ont des centaines d'abonnés, et puis qui en plus ils prennent le temps de répondre à tout le monde, de participer à des concours, voilà, alors, pas que je trouve que les autres, c'est pas sympa, au contraire, hein, j'adore. Mais franchement, Camille, je te remercie particulièrement parce que je sais tout ce que tu fais, voilà, pour tout le monde, ça prouve que tu as un grand cœur. Alors, je vous embrasse, toi et ton mari. Voilà, très très fort. J'embrasse Brigitte, j'embrasse Nathalie et j'embrasse très très fort François. France, parce que moi je dis France, parce qu'elle m'est France, mais c'est Françoise. Je l'embrasse de tout cœur parce que ça fait un petit moment qu'on correspond et je l'aime beaucoup aussi. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à toutes et tous!